Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un petit rétro, qui m'a tout de suite interloqué de par son nom, Rockman Mega World. Alors pour ceux qui ne savent pas, petit point historique, j'ai envie de dire, Rockman, c'est le nom japonais de Megaman. Et ce jeu, normalement, les épisodes 1 jusqu'à 6 sont sortis sur NES. La NES est une console 8 bits. Là, je suis sur une version complète de Megaman 1, 2, 3 sur Mega Drive, qui est une console 16 bits. Et je dois dire que il y a plusieurs gros changements. Les maps sont les mêmes, les boss sont les mêmes, les monstres aussi. Les graphismes sont meilleurs. Les musiques sont vraiment bonnes. Voilà. Et je ne sais pas quoi dire d'autre. Alors par contre, je vais juste configurer mes touches parce que voilà, ça me fait chier. Jump sur A, shoot sur B et Windows sur C. Voilà. On est bon. On commence. Alors là, on peut avoir 3 saves. Donc là, j'ai fait une save personnelle que je vous montrerai à la fin. Je vais exprès de faire les boss de Megaman 2 parce que la musique de Megaman 2, le Dr. Wily Stage, est vraiment bonne. Et je vous ferai écouter à la fin de ce test la musique. Je vais partir donc sur un autre fichier. Et rien que la musique 16 bits là, ça donne envie de jouer. Donc on va partir sur du Rockman 1. Ah, cette musique rappelle forcément des souvenirs. Toutes les musiques ont été refaites. Donc je ne sais pas lequel prendre, on va prendre Fireman en premier. C'est à chaque fois les mêmes choses. Les mêmes styles de jeu ont été repris. Alors par contre, la console peut peut-être la gouiller. La console peut la gouiller parce que l'émulateur tient moyen de choc. Mais les sprites, les ennemis sont vraiment les mêmes. C'est vraiment une magnifique reprise. C'est limite un remake. Je le dis, on pourrait croire que c'est un remake ce jeu. Par contre, ce qui est pas un remake, c'est mon skill. Voilà. Je vous le dis comme ça, vous le savez, mon skill. Mon skill, c'est du caca. Bon, les Megaman, j'aime ça, mais le skill n'y est pas. Le skill n'y est vraiment pas. Pour le moment, ça va. Ça va super dur. Mais tous les fans de Megaman, je vous conseille d'y jouer. Je pense que je vais faire un niveau de chaque Megaman en vous laissant les musiques pour vous montrer à quel point ce jeu est beau, autant au niveau graphisme que musical.
Eh, et merde, touché. Putain, pourquoi je m'en étais tellement douté? Je l'ai senti venir. Et j'ai failli mourir. La vie, voilà. Oh mon dieu, c'était le poil de Luc. Je ne sais pas qui est Luc. Ça va, mais il y a mal un ce niveau. Oh nom de dieu. Ah oui, alors là, je suis obligé de me prendre un dégât parce que je connais pas le timing. Faut que je me prenne deux dégâts même. J'ai aucune idée du timing. Je pense que c'est obligé de toute façon. Putain, regardez-moi cet arrière-fond, ça bouge. C'est beau, c'est bien repris. Oh putain, c'est vrai que ça explose. Oh, ça fait la gouille à la console. Là, la console, elle est au bout de sa vie. La console est au bout de sa vie. Pourquoi je m'en étais douté que c'était obligé? Là, faut que je descende. Fais pas le con, Philippe. Et normalement, ça devrait être la fin. Comme par hasard, on te rajoute quand même des lance-flammes. On sait jamais, tu... Eh oui. Les interludes. Les phases d'interludes. Au cas où pour gagner des points de la vie. C'était extrêmement risqué ce que je viens de faire. Mais donne-moi de la vie, nom de Dieu. Je farmerai pas à fond, moi. Bon, tant pis, j'y vais comme ça. Est-ce que je vais le battre? Je ne sais pas. Ça se trouve, j'ai pas la technique. Oh, cette musique. Ok, ok, ok. Je n'ai pas du... Si, je crois que j'ai trouvé la technique. Je crois que j'ai la technique, en fait. Faut juste que je gère mes sauts. Ce que je ne sais absolument pas faire. Comme vous l'aurez remarqué. Ok, là ça va pas le faire. Là je décède. C'est le décès, c'est normal. Je ne sais absolument pas jouer. Bon, allez. Je réessaye parce que... Ah bah je reste pas sur une défaite. Et puis, le beau jeu. Le beau jeu. Surtout le beau jeu. Merde. Ça c'était le mauvais jeu. Non mais rends-moi la vie que tu m'as passée tout à l'heure. Je sais que t'avais de la vie. La vie, bon, un point de vie en moins, ça va le faire. Profitez de la musique. Ah, c'est magnifique. Alors là, c'était que le premier niveau. Mais c'est magnifique. Voilà. Donc là, je vais save. Je vais changer ensuite pour passer à un boss de Mega Man 2. Donc, ouais, on va save. Non, comment je fais pour me barrer? Ah, est-ce qu'il faut que je reload? Parce que ça va être chiant. Ouais. Il va falloir que je reload pour passer à la deuxième au deuxième jeu, ça doit être comme ça. Donc je laisse quand même un petit peu la musique. Ah oui, alors le fait que ça glisse par contre sur un niveau de glace, c'est extrêmement long. Bref, je vous dis petite ellipse là, juste le temps de mettre Mega Man 2 et on est bon. Voilà, donc là on est de retour et on va passer à Mega Man 2. Attention, appréciez la musique. Admirez la cinématique, 16 bits. Je la laisse en entier, je suis un fou. Thank you.
C'est trop bien. On est go. Même la musique a été faite. Quel boss déjà, c'est quel boss on va faire en premier? Il me semble que c'est Metal Man en premier. Donc on y va. Je sais que dans Mega Man 2 aussi, il y avait un moyen qu'en fond il y ait des oiseaux qui passent. Je me souviens plus de la manip à faire. S'il y en a qui ont le courage d'essayer, bah essayez là et dites-moi si ça marche. La musique les mecs. L'essence même de ce jeu réside là-dedans, les graphismes et la musique. Je ne sais plus à partir de combien on peut faire des glissades. Alors non, ça j'ai trop peur pour ma vie. Je préfère les skip. Je préfère les skipper. Bon, presque un tiers de vie en moins. Ça va le faire. Voilà, ces ennemis là vont me redonner ma vie. Impec. Pas grave. Merde la roue. Zut. Heureusement qu'il y en a une deuxième là. De la vie, de la vie, de la vie. Alors c'est... J'aime pas ces ennemis. Je les aime vraiment pas ceux-là. Non, j'ai juste... Voilà. Là. Là, normalement, je pouvais bien jouer. Et je décède. Merde. Décédé d'une manière stupide. Je suis pas allé assez loin du rebord. Enfin, pas assez près. Je trouve aussi un... Alors, c'est un petit défaut. Je sais pas si c'est moi ou pas, mais il faut plus de coups pour tuer les ennemis. Ok, je sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Bon, un poil de vie. Non, mais non, mais non, mais il faut pas de ma gueule le jeu. Voilà. J'avais oublié ça. Muay Tank, je vais pas l'utiliser tout de suite. Quoique si je me la prends, je vais un peu mad. Prends la max, ça va pas le faire. On est go. Donc Metal Man, faut bourrer bourrer. Faut bourrer bourrer. Y croire à mort. J'y crois à mort. J'aime ma vie. Bourré, 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 bourré. Ça va pas le faire, je me faire. Ouais, je décédé. Ouais, j'ai décédé. Ça par contre, je vais pas y arriver. Sans ces stages, je vous l'annonce, j'y arrive pas. Donc, c'est pour vous dire à quel point mon niveau sur Mega Man est merdique. Je reteste une deuxième fois. On sait jamais, le skill va être présent ou pas. Si le skill est présent, je suis content. Le skill n'est pas présent. Il est encore moins présent que tout à l'heure même. Ah, il est vraiment pas présent le skill. Ah, mon skill est au chiotte. Je ne sais pas dans quel chiotte, mais il y est. Voilà. Mon skill, c'est de la merde. C'est dit. Bien. Alors, pendant qu'il y a du bruit derrière moi, du coup, je vais y aller fermer ma porte.
c'était les 5 secondes les plus longues de votre vie. On va passer à Megaman 3 maintenant. Stage Select. À moins que... Ah oui, donc évidemment, hein, on va refaire la manie du reset. Donc là on y est, et donc Megaman 3, j'y ai quasiment pas joué, je crois que j'ai survolé très très vite, mais j'ai pas fini. Enfin, j'ai jamais fini même. J'ai l'impression de m'être fait enfler sur le générique là. Putain, je connais même plus les boss. Je sais pas. Par contre, la musique, je m'en souviens de celle de boss. Ouah, c'est ça la musique. Ouah, sérieusement, c'était ça. Ah, c'est génial, on peut wave dash. On peut dash et ça, c'est cool. On peut dash, c'est cool, ça. Putain, énorme amélioration. Oh là là, c'est parti, le speedrun est là. Ou pas, parce qu'il me faut la vie. Ouais, bon, tant pis. La vie. Labourance. Il faut bourrer. Bourrer. Donne-moi de la vie. Putain, c'est vrai que c'est 3 tirs max. Parce qu'évidemment, on reprend bien les limitations de la NES. Sérieusement. Ouais, mais là, faut bourrer. On bourre, on dash. Je peux pas y arriver indemne, du coup je crois que je vais me suicider. Ah mais j'y arrive tellement pas sur Megaman. Chat de merde. Je me souviens qu'il y avait une touche de dash rapide, putain. Tout a été toupie de merde. Ah, ça va pas être assez vite. J'ai pas été assez vite. J'ai fait de la merde. Ah bah cool. Juste au début du stage. Ouais, je suis touché. Oh là. What? Ok, donc là je peux jouer la bourrance et le farmer. On se met sur le pixel de merde et on farm. Non, là je m'en fous. Oh yeah, we are in trouble. Ok. Je la sens pas. J'aime pas le niveau avec les pics sévères. Ok, alors là la strat. Maintenant, on se prend les dégâts. Et tac. Faut bourrer, fermer. Faut fermer la vie, bourrer, se prendre un dégât. Est-ce que c'est... Non, ok, j'aime pas ce niveau. Pourquoi j'ai dash? Bon, bah voilà, c'est sur cette mort de merde. Même pas, allez vas-y. J'ai combien de vie encore? Dernière vie, allez. J'y crois à mort. Jean-Michel du skill. Jean-Michel du skill, c'est bon, on est parti. Allez. Tac. Damage, dash avant et on est go. Jean-Michel du skill vous présente son nouveau low pourcent en 4h50. Non, là il me faut une grosse réserve d'énergie. Est-ce que tu penses peut faire ça le jeu? Un moment, je m'en fous, je ferme. C'est les minutes les plus longues de votre vie. Maintenant.
On dash, on se prend un dommage. Il décède. Non, 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 j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Voilà. Et ben voilà, sur cette mort de merde qu'on va cesser. On va quand même essayer de se mettre sur un écran titre. Non, je passe pas excite. Non. Voilà. Au moins sur une belle musique pour se quitter. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc je rappelle le jeu, il s'agit de Rockman Mega World. Disponible gratuitement sur ROM Station. Je vous le conseille, c'est une tuerie. Et j'ai oublié comme un con. Voyons, est-ce que ma save est là? Ma save est là, attention. Voilà, j'ai retrouvé ma save. Mais écoutez-moi cette musique de Dr. Wily Stage. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc, le jeu Mega Man Rockman Mega World, disponible sur ROM Station. Un petit jeu qui est bien, qui est cool pour les plus nostalgiques d'entre vous. Et ça, c'est cool. N'oubliez pas qu'on a l'habitude de liker la vidéo, de la partager pour faire. Pour montrer aux autres les joueurs rétro, ils sont toujours là et ils sont toujours cool. De commenter la vidéo si cela vous a plu, de me dire ce qui va, ce qui ne va pas, si vous avez des idées de jeux rétro à me conseiller, pourquoi pas, je les essaierai et peut-être les présenterai un jour. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, de me suivre sur Twitter @Raylus1. Bon jeu et à la prochaine.